Bonjour à tous et soyez les bienvenus à notre chaîne éducative Qanat Zara Atalimia. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les leçons qu'on a déjà vues en classe, à savoir les leçons des unités 1, 2 et la première partie de l'unité 3. Bon, on va commencer aujourd'hui. On va commencer par l'explication des leçons de la première unité. Je vous ai préparé pour cela, je vous ai préparé ce petit livret intitulé « Je me prépare pour l'examen CE6 ». Toujours, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à notre chaîne éducative pour que vous puissiez savoir les vidéos que je dépose chaque jour. D'accord? Voici notre lien concernant la chaîne YouTube. Voici la première unité, unité numéro 1, ou bien l'unité 1, les civilisations universelles. Bien sûr, lorsqu'on parle des civilisations universelles, on parle de l'ensemble des traditions, des monuments historiques, d'accord, des événements aussi historiques, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle. Donc, voici ici quelques monuments historiques que vous avez déjà vus. Il y a le jardin Majorelle, la mosquée Hassan II, la tour Hassan, la tour Ibiz, la Koutoubia, la tour Eiffel, l'université Al-Karaouine et Taj Mahal. Commençons par la grammaire. La première leçon de grammaire, c'est la phrase nominale et la phrase verbale. Bien sûr, en classe, nous avons vu que la phrase est un groupe de mots ordonnés et a un sens. Si la phrase n'a pas de sens, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une phrase. D'accord? Donc, n'importe quelle phrase, on va lui donner le nom de phrase s'il contient des mots ordonnés et bien sûr, il doit avoir un sens. Bon, en ce qui concerne les types de la phrase, on a déjà vu les quatre types, à savoir la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase impérative et la phrase exclamative. Mais aujourd'hui, on va expliquer d'autres types, à savoir la phrase nominale et la phrase verbale. Quand est-ce qu'on parle de la phrase nominale? Bien sûr, on parle de la phrase nominale quand on a une phrase qui ne contient pas un verbe. Voici un exemple. Quelle belle classe! Ou bien, merci maîtresse pour ton aide. Ou bien, merci mon ami pour ton cadeau. Et ainsi de suite. Donc, la phrase nominale ne contient pas un verbe. L'exemple de la phrase verbale. Donc, la phrase verbale, voici un exemple. Samy écrit la leçon. Donc, la phrase verbale contient un verbe ici. C'est le verbe écrire. Écrit. Passons maintenant à la deuxième leçon de grammaire, c'est ce qu'on appelle les adjectifs qualificatifs et épithètes ou attributs. Bon, l'adjectif qualificatif d'abord, c'est un mot qui précise les caractéristiques d'un nom ou d'un pronom. Donc l'adjectif qualificatif se subdivise en deux. Donc à quoi sert l'adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif sert à donner plus de précision, d'accord, à un nom ou bien à un pronom. Donc l'adjectif qualificatif se subdivise en deux. On a ce qu'on appelle l'adjectif qualificatif épithète et l'adjectif qualificatif attribut. La question qui se pose ici, quelle est la différence entre l'adjectif qualificatif épithète et l'adjectif qualificatif attribut? D'abord, je vais donner un exemple pour chaque type. Pour l'adjectif qualificatif épithète, on a l'exemple suivant. Il est collé au nom. Je m'excuse, pardonnez-moi s'il vous plaît. Je suis un peu enrhumé. Bon. En ce qui concerne l'exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, petit garçon. Petit garçon. Ici, vous avez un adjectif plus nom. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'adjectif petit est collé au nom. Le deuxième exemple, pardon, nom plus adjectif. Comme l'exemple suivant, élève studieux. Ici, vous avez un nom plus un adjectif. C'est studieux. Bien sûr, la remarque qu'on peut remarquer ici ou bien qu'on peut observer, c'est que studieux est collé au nom. Et le troisième exemple, belle robe blanche. Ici, vous avez adjectif plus nom plus adjectif.
Belle, c'est un adjectif. Robe, c'est un nom. Et blanche, c'est un adjectif. Donc, la remarque qu'on peut dire ici, c'est que les deux adjectifs, à savoir belle et blanche, sont collés au nom robe. Il n'y a pas un verbe qui sépare ces adjectifs au nom. D'accord? Ou bien du nom. Maintenant, on passe au deuxième type. Le voilà, à savoir l'adjectif qualificatif attrait, attribut. Donc, l'adjectif qualificatif attribut, il vient après un verbe d'état. Voici les verbes d'état. Être, sembler, paraître, rester, devenir, avoir l'air, ainsi de suite. Donc, si vous avez un verbe d'état et juste après vous avez un adjectif, on va appeler cet adjectif-là l'adjectif qualificatif attribut. Voici un exemple. Cet homme est brave. Donc, brave, c'est l'attribut de sujet. Ou bien, c'est l'adjectif qualificatif attribut. Attribut puisqu'il est venu après le verbe d'état, être. Passons maintenant aux leçons de lexique. La première leçon qu'on a vue, c'est l'ordre alphabétique ou bien l'utilisation du dictionnaire. Bon, dans la conjugaison, je m'excuse, dans la langue française, il y a 26 lettres. D'accord? Il y a 26 lettres. Ou bien on peut dire qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Jamais dire les alphabets, on dit l'alphabet. D'accord? On dit l'alphabet. Donc il y a 26 lettres dans l'alphabet. Les 6 lettres colorées en jaune sont des voyelles et les autres sont des consonnes. C'est clair? Bon. La première règle, les lettres sont rangées dans l'ordre alphabétique. Dans le dictionnaire, on va trouver les mots dans l'ordre alphabétique. Donc les mots sont rangés ou bien sont écrits dans l'ordre alphabétique. C'est un ordre précis qu'il faut connaître par cœur. Ça veut dire que vous devez savoir ou bien apprendre par cœur l'alphabet. A, B, C, D, comme ça, de cette façon-là. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. D'accord? Il faut savoir les voyelles. A, E, I, O, U, I. A, E, I, O, U, Y. D'accord? Et il faut savoir aussi les consonnes. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, M, N. P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. D'accord? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Ce sont les consonnes. Donc, vous devez les apprendre par cœur. On passe maintenant à la deuxième règle. Pour ranger les mots dans l'ordre alphabétique, on les place en fonction de leur première lettre. Regardez, si vous avez par exemple des mots qui commencent par la lettre A, on va voir. Donc, vous avez des mots qui commencent par la même lettre. On va passer à la deuxième lettre. Si vous avez la deuxième lettre la même, on va passer à la troisième, et ainsi de suite. Donc, mais si vous avez des mots qui commencent par des lettres qui sont différentes, par exemple, comme cet exemple-là, abeille A, coccinelle C, mouche M, papillon P, sauterelle S, d'accord? Ici, c'est facile. Tu dois savoir seulement l'alphabet et tu vas classer par ordre alphabétique ces mots. On passe maintenant à ce qu'on appelle les gentilés. Avant de vous donner une liste des noms d'habitants et nationalités, je vous propose cette petite définition. Bien sûr, cette liste, je vais vous. Donc je vais l'apporter. D'accord, à l'école, et je vais la distribuer. Donc ici, avant de vous donner une liste des noms d'habitants et nationalités, je vous propose cette petite définition. D'abord, c'est quoi le gentilé? Le gentilé est le nom donné à un habitant d'un lieu géographique, que ce soit ville, pays, ainsi de suite. Et il commence toujours par une majuscule. Donc les gentilés commencent toujours par une majuscule. N'oubliez pas, si par exemple dans une phrase on trouve marocain, par exemple des monuments historiques marocains, d'accord? Marocain, dans ce cas, on ne va pas l'écrire en majuscule, on va l'écrire en minuscule. Pourquoi? Parce que ici, marocain joue le rôle d'un adjectif qualificatif et non d'un gentilé. Mais si je dis par exemple je suis marocaine, ici je vais écrire M en majuscule. Passons maintenant
aux leçons de conjugaison. Commençons par le présent de l'indicatif des verbes usuels. Et lorsqu'on dit les verbes usuels, ça veut dire qu'on parle ici des verbes qu'on les utilise beaucoup. Donc pour bien conjuguer les verbes du premier groupe et du deuxième groupe au présent de l'indicatif, je vous conseille d'apprendre par cœur ces deux petites règles. C'est facile. On va commencer par la première. Pour conjuguer un verbe du deuxième groupe au présent de l'indicatif, j'efface le suffixe er et je garde le radical. Puis j'ajoute les terminaisons des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. C'est facile, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer le suffixe er et on garde le radical. Puis on ajoute les terminaisons des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. À savoir, e, es, e, donc, ons, ez, ent. Qu'est-ce que vous attendez? Apprenez par cœur cette règle. En plus, regardez bien l'exemple ci-dessous. Le voilà, voici l'exemple. C'est le verbe parler, c'est un verbe du premier groupe. Bien sûr, ce qui est écrit en bleu, c'est le radical. Ce qui est écrit en rouge, c'est le suffixe. Donc, pour conjuguer le verbe parler au présent de l'indicatif, c'est facile. J'efface seulement le suffixe er, je garde le radical, puis j'ajoute les terminaisons suivantes. Et je dis, je parle e, tu parles es, il ou bien elle ou bien on parle e. Nous parlons en NS, vous parlez EZ, il avec S bien, elle avec S parle ENT. Passons maintenant à la deuxième règle concernant les verbes du deuxième groupe. Pour conjuguer un verbe du deuxième groupe au présent de l'indicatif, j'efface le suffixe IR et je garde le radical, puis j'ajoute les terminaisons des verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Qu'est-ce que vous attendez? Apprenez par cœur cette règle. En plus, regardez bien l'exemple ci-dessous. Le voilà, voici l'exemple. Donc, pour conjuguer n'importe quel verbe du deuxième groupe qui se termine par IR, bien sûr, à l'exception des verbes qui se terminent par IR qui sont de la, du troisième groupe, comme dormir, sortir, venir, tenir, ouvrir, offrir, mourir, et ainsi de suite. Donc, ce sont des verbes du troisième groupe. Donc, finir, choisir, réunir, réussir, grandir, agir, et ainsi de suite, ce sont des verbes du deuxième groupe. Pour les conjuguer au présent de l'indicatif, c'est facile, j'efface seulement le suffixe IR, je garde le radical, puis j'ajoute la terminaison suivante. Donc j'efface le suffixe IR, je garde le radical, puis j'ajoute la terminaison suivante. Je finis, IS, tu finis, IS, il finit, IT, nous finissons I2S en NS, vous finissez I2S EZ, ils finissent I2S ENT. Donc mes chers élèves, voici le présent de l'indicatif de quelques verbes du troisième groupe. Bien sûr, vous devez les apprendre par cœur. Donc, le présent de l'indicatif des verbes principaux du troisième groupe. Vous avez le verbe aller, on dit je vais, tu vas, il va, nous a, le, elle, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Le verbe venir, pardon s'il vous plaît. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Faire, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Voir, je vois, tu vois, ils vont, nous voyons, vous voyez, ils voient. Prendre, je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Partir, je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. Recevoir, je reçois, tu reçois, ils reçoivent, nous recevons, vous recevez, ils reçoivent. Devoir, je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Savoir, je sais, tu sais, il ou bien elle sait, nous savons, vous savez, ils savent. Rendre, je rends, tu rends, ils rendent, nous rendons, vous rendez, ils rendent. Boire, je bois, tu bois, ils boivent, nous buvons, vous buvez, ils boivent. Croire, je crois, tu crois, ils croient. Nous croyons, vous croyez, ils croient. Dire, je dis, tu dis, il dit. Nous disons, vous dites, ils disent. Écrire, j'écris, tu écris, il écrit. Nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. Vivre, je vis, tu vis, il vit. Nous vivons, vous vivez, ils vivent. Pouvoir, je peux, tu peux, il peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Tenir, je tiens, tu tiens, il tient, nous tenons, vous tenez, ils tiennent. Lire, je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, vous, ils lisent. Connaître, je connais, tu connais, il connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Sentir, je sens, tu sens, ils sentent, nous sentons, vous sentez, ils sentent. Donc, c'est une liste à apprendre par cœur. S'il vous plaît, mes chers élèves, apprenez par cœur cette liste des verbes du troisième groupe, des verbes principaux. D'accord? Les verbes les plus importants du troisième groupe.
Et maintenant, mes chers élèves, voici les auxiliaires au présent de l'indicatif. Lorsqu'on dit les auxiliaires, à savoir le verbe être au présent de l'indicatif et le verbe avoir au présent de l'indicatif aussi. Commençons par le verbe être au présent. On dit je suis, tu es, il ou bien elle est, nous sommes, vous êtes, il avec s ou bien elle avec s, sont. Le verbe avoir au présent de l'indicatif, j'ai, tu as, il ou bien elle a, nous avons, vous avez, il avec s ou bien elle avec s, ont ou bien elles ont, elles ont. On dit elles ont. Mes chers élèves, le présent de l'indicatif exprime une action qui se passe au moment où l'on parle. N'oubliez pas, le présent de l'indicatif exprime une action qui se passe au moment où l'on parle. Voici l'axe du temps. Donc, où on peut placer le présent? Bien sûr, au milieu. À gauche, vous avez ici le passé. À droite, vous avez le futur. Et au milieu, on a le présent. D'accord? Passons maintenant à la deuxième leçon de conjugaison, à savoir l'imparfait de l'indicatif des verbes usuels. Avant de commencer la conjugaison des verbes à l'imparfait, il faut d'abord répondre à cette question. À quoi sert l'imparfait de l'indicatif? D'accord? On ne doit pas seulement savoir conjuguer en l'imparfait. Bien sûr, avant de conjuguer, on doit savoir à quoi sert, quelle est l'utilité de l'imparfait. D'accord? À quoi sert l'imparfait de l'indicatif? Bon, l'imparfait de l'indicatif indique une action passée, d'accord? Il indique une action passée qui dure ou qui se répète. C'est un temps de récit et de la description. C'est un temps de récit et de la description. Si on veut décrire, bien sûr, on utilise l'imparfait. Ça, c'est dans les romans. Lorsqu'on a un texte narratif descriptif, ça veut dire l'imparfait est utilisé pour faire la description. Bon, pour bien conjuguer les verbes du premier groupe et du deuxième groupe, pour bien conjuguer les verbes du premier et du deuxième groupe à l'imparfait de l'indicatif, je vous invite à apprendre par cœur ces deux petites règles. Soyez sûr et certain que vous n'aurez aucun problème dans la conjugaison si vous appreniez par cœur ces deux petites règles. Voici l'imparfait de l'indicatif des verbes du premier groupe. Bon. Pour conjuguer un verbe du premier groupe à l'imparfait, j'efface le suffixe er et je garde le radical. Puis, j'ajoute les terminaisons des verbes du premier groupe à l'imparfait. C'est facile. J'efface er, je garde le radical et j'ajoute la terminaison de l'imparfait des verbes du premier groupe. D'accord? Voici un exemple. C'est l'exemple du verbe chanter. On efface le suffixe er, on garde le radical chante et on ajoute ais, ais, ait, ions, iez, aient et on le conjugue de cette façon. Je chantais, ais. Tu chantais, ais. Il chantait, il ou bien elle ou bien on chantait, ait. Nous chantions, ions. Vous chantiez, iez. Il avec s ou bien elle avec s chantait, aient. Si vous voulez bien apprendre la conjugaison, je vous conseille d'utiliser l'ardoise et le feutre noir, d'accord? Parce que cela aide à bien mémoriser les choses et à ne pas les oublier. Voici l'imparfait de l'indicatif des verbes du deuxième groupe. Bon, pour conjuguer un verbe du deuxième groupe à l'imparfait de l'indicatif, j'efface le suffixe ir et je garde le radical. Puis j'ajoute les termes. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Donc, pour conjuguer un verbe du deuxième groupe à l'imparfait de l'indicatif, j'efface le suffixe ir et je garde le radical. Puis j'ajoute les terminaisons des verbes du deuxième groupe à l'imparfait. Donc c'est facile, la règle c'est facile. Vous avez l'exemple du verbe finir, un verbe du deuxième groupe. Pour le conjuguer à l'imparfait, qu'est-ce que je dois faire? J'efface seulement ir, le suffixe ir, je garde le radical fin, puis j'ajoute la terminaison des verbes du deuxième groupe à l'imparfait. I2SAIS, I2SAIS, I2SAIT, I2SIONS, I2SIEZ, I2SAIENT.
Et on va le conjuguer de cette façon. Je finissais I2SIS. Tu finissais I2SIS. Ils finissent il ou bien elle ou bien on finissait I2SIT. Nous finissions I2SIONS. Vous finissiez I2SIEZ. Il avec S ou bien elle avec S finissait I2SAIENT. Je m'excuse, mes chers élèves. Je suis un peu enrhumé, c'est pour cela. Parfois je tousse, parfois je... excusez-moi. On continue maintenant l'explication. Bon, voici mes chers élèves, l'imparfait de l'indicatif des auxiliaires être et avoir et de quelques verbes du troisième groupe. Donc l'imparfait de l'indicatif des verbes être, avoir et de quelques verbes particuliers, ça veut dire des verbes du troisième groupe. Vous avez le verbe être, on dit j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Avoir, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Aller, j'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, ils allaient. Faire, je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, ils faisaient. Voir, je voyais, tu voyais, il voyait, nous voyons. Regardez ici, voyons, YIONS, vous voyez, YIEZ, il voyait, YAIENT. Prendre, je prenais, tu prenais, nous prenions, vous preniez, il prenait. Venir, je venais, tu venais, il venait, nous venions, vous veniez, il venait. Pouvoir, je pouvais, tu pouvais, il pouvait, nous pouvions, vous pouviez, il pouvait. Devoir, je devais, tu devais, il devait, nous devions, vous deviez, il devait. Dire, je disais, tu disais, il disait, nous disions, vous disiez, il disait. Courir, je courais, tu courais, il courait, nous courions, vous couriez, il courait. Vouloir, je voulais, tu voulais, il voulait, nous voulions, vous vouliez, il voulait. Recevoir, je recevais, tu recevais, il recevait, nous recevions, vous receviez, il recevait. Lire, je lisais, tu lisais, il lisait, nous lisions, vous lisiez, il lisait. Partir, je partais, tu partais, il partait, nous partions, vous partiez, il partait. Coudre, je cousais, tu cousais, il cousait, nous cousions, vous cousiez, il cousait. Savoir, je savais, tu savais, il savait, nous savions, vous saviez, il savait. Écrire, j'écrivais, tu écrivais, il écrivait, nous écrivions, vous écriviez, ils écrivaient. Dormir, je dormais, tu dormais, il dormait, nous dormions, vous dormiez, il dormait. Mettre, je mettais, tu mettais, il mettait, nous mettions, vous mettiez, il mettait. Asseoir, pardon, asseoir, j'asseyais, donc suivez avec moi, j'asseyais, tu asseyais, il asseyait, nous asseyons, vous asseyez, ils asseyaient, d'accord. Le verbe rire. Je riais, tu riais, il riait, nous rions, vous riez, il riait. Mourir, je mourais, tu mourais, il mourait, nous mourions, vous mouriez, il mourait. Vivre, je vivais, tu vivais, il vivait, nous vivions, vous viviez, il vivait. Donc, s'il vous plaît, mes chers élèves, apprenez par cœur ces verbes à l'imparfait de l'indicatif, d'accord? Pour ne pas avoir des problèmes ultérieurement. Maintenant, on va passer aux leçons d'orthographe. La première leçon qu'on a vue, c'est... Donc, intitulé « Les accents ». Bon, seules les voyelles A, E, I, O, U peuvent porter un accent. Il permet de changer la prononciation. Les trois accents. L'accent aigu, voici des exemples. Une fée, une clé. L'accent grave, mon frère, un siège. L'accent circonflexe, une guêpe, drôle. Donc ici, attention. Les consonnes doublées. Une voyelle placée avant une consonne doublée ne porte jamais d'accent, comme pressé. Il se prononce et, mais il ne porte jamais d'accent. Belle, efficace, ellipse, ainsi de suite. À quoi sert le tréma? Donc le tréma, on peut le trouver sur les voyelles I, E, U. Il indique qu'il faut lire séparément les voyelles qui se suivent. Par exemple, caïman. Et non, Kai, donc Kaïman, et non Kaïman, d'accord? Noël, et non Noël. Est-ce que vous avez compris? Donc le tréma sert à prononcer séparément les voyelles. Passons maintenant à la deuxième leçon, c'est l'accord de l'adjectif qualificatif. Mais bien sûr, on va faire un petit rappel de ce que ça veut dire un adjectif qualificatif. Donc l'adjectif qualificatif est un mot qui donne des précisions sur le nom, ou le pronom qu'il accompagne. Par exemple, les fleurs magnifiques. Donc, l'adjectif, c'est magnifique. Un bon gâteau. Les belles. Par exemple. Les belles. Donc, c'est pas les belles. Les ballons. Les ballons bien gonflés. Et si vous avez les ballons bien gonflés. Là, voilà.
Vous avez ici les fleurs magnifiques, donc l'adjectif qualificatif c'est magnifique. Un bon gâteau, l'adjectif qualificatif c'est bon. Les ballons, ou bien des ballons bien gonflés, donc gonflés c'est l'adjectif qualificatif. Donc les oreilles du koala sont rondes, grandes et très poilues. Les oreilles du koala sont rondes, grandes et très poilues. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les adjectifs rondes, poilues et grandes s'accordent avec le nom les oreilles. Donc l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom en genre et en nombre ou le pronom qu'il accompagne. D'accord? Bon, mes chers élèves, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom en genre et en nombre ou le pronom qui l'accompagne, même si l'on est éloigné. D'accord? C'est l'exemple de les oreilles du koala sont rondes, grandes et très poilues. Même si les adjectifs sont loin du nom, mais ils s'accordent avec lui en genre et en nombre. Maintenant, mes chers élèves, on continue l'explication. Donc, la règle numéro 3, l'adjectif qualificatif peut avoir deux fonctions. C'est ce qu'on a déjà vu. Épithète, soit l'épithète du nom, soit l'attribut du sujet. D'accord? Voici l'exemple de l'épithète du nom. On a ici un joli cartable rose et bleu. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'adjectif qualificatif est collé toujours au nom. Alors que l'attribut du sujet est toujours suit un verbe d'état. D'accord? Cette perle est très brillante. Je répète, cette perle est très brillante. Donc voici l'exemple, cette perle est très brillante. Donc brillante, c'est l'adjectif qualificatif qui joue le rôle d'un attribut de sujet. C'est clair? Il joue le rôle d'un attribut de sujet, il vient après le verbe d'état être. Donc les 16 principaux verbes d'état sont être, rester, sembler, devenir, demeurer, paraître et la locution verbale avoir l'air. Connaissez-les par cœur. Donc vous devez les apprendre par cœur. Bon, quand il n'est pas séparé du nom qu'il qualifie par un verbe, il peut se placer avant ou après ce nom. Donc, lorsqu'on parle de l'épithète du nom, on parle de l'adjectif qui peut se placer soit avant, soit après, soit avant et après le nom. C'est clair? Alors que l'attribut du sujet, quand il est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état, ça veut dire il suit toujours un verbe d'état. Maintenant, on passe à la suite de la leçon, bien sûr, toujours dans l'adjectif qualificatif. Donc, la règle numéro 4, l'adjectif qualificatif épithète fait partie du groupe nominal. D'accord? Un beau papillon multicolore. Donc, l'épithète du nom, c'est beau. Épithète du nom, c'est multicolore. Donc, Maya a laissé la porte grande ouverte. Et c'est l'épithète du nom, c'est ouverte. Donc, en ce qui concerne la règle 5, l'adjectif qualificatif attribut fait partie du groupe verbal. Attention, donc l'adjectif qualificatif épithète fait partie du groupe nominal. L'adjectif qualificatif attribut fait partie du groupe verbal. Donc il ne peut jamais être supprimé. D'accord? Il ne peut jamais être supprimé. Donc si on a un attribut de sujet, on ne peut jamais le supprimer. Passons maintenant aux exercices. Maintenant, on a terminé l'unité 1, à savoir les civilisations universelles. Et voici quelques exercices, bien sûr, quelques exercices d'entraînement. C'est clair? Donc, voici quelques exercices d'entraînement. Les voilà. Commençons par la grammaire. Voici, je m'entraîne. Bien sûr, si vous voulez ce cahier-là, envoyez à moi un message et je peux le laisser chez la bibliothèque, chez une bibliothèque pour que vous puissiez le recopier et vous entraîner un peu pour se préparer à l'examen local. Bien sûr, si vous voulez. Si vous ne voulez pas, c'est votre affaire. Commençons par la grammaire. Voici quelques activités. D'accord? Ce sont des activités qui sont magnifiques.
On passe maintenant à la conjugaison. Aussi, il y a des activités à faire. Les voilà. Lexique, la même chose. L'orthographe. Et lorsque vous terminez l'entraînement, on a des évaluations, donc des exemples de quelques évaluations à faire. Voici la deuxième. Et quand on termine l'unité 1, on passe à l'unité 2, c'est la citoyenneté et le comportement civique. Bien sûr, lorsqu'on parle de la citoyenneté et le comportement civique, ici, on parle de quoi? On parle. Bon, lorsqu'on parle de la citoyenneté, on parle de la démocratie, on parle de l'écoute, on parle de l'égalité, la fraternité, la solidarité, l'honnêteté, l'aide, ainsi de suite. D'accord? C'est ce qu'on a déjà expliqué en classe. On commence maintenant par la grammaire. On a vu la leçon de la pronominalisation des compléments du verbe, complément d'objet directe et complément d'objet indirect. Bien sûr, je l'ai expliqué d'une manière très facile dans une vidéo. Vous pouvez la consulter. Donc vous pouvez écouter l'explication oralement sur notre chaîne éducative. Notre chaîne éducative. Donc je dois effacer ça. Donc là voilà. Vous pouvez consulter la vidéo de cette leçon-là. Parce que je vais répéter seulement. Donc ici l'explication est un peu longue. C'est mieux de regarder la vidéo. Après, on passe à la phrase interrogative. Bien sûr, j'ai déjà expliqué la phrase interrogative totale et la phrase interrogative partielle. Vous pouvez aussi consulter la vidéo de cette leçon-là. Donc, c'est facile à comprendre. Après, on passe maintenant au lexique, à savoir les synonymes. Donc, les synonymes sont des mots qui ont un sens proche ou identique. Par exemple, un magasin. Une boutique, laver, nettoyer. Donc, magasin et boutique, ce sont des synonymes. Laver et nettoyer, ce sont des synonymes. Dans un texte, on utilise les mots synonymes pour éviter la répétition. Donc, à quoi servent les synonymes? Ou bien, à quoi servent les synonymes? Ils servent à éviter les répétitions. Voici un exemple. Lisa, la pirate. Donc, Lisa, la pirate, veut cacher son trésor. Elle creuse un trou profond pour bien le dissimuler. Cacher, c'est le synonyme de dissimuler. La règle 3, les mots synonymes appartiennent à la même classe grammaticale. Lorsqu'on dit à la même classe grammaticale, ça veut dire si je te demande de chercher un verbe, le synonyme d'un verbe, tu dois trouver un verbe. Synonyme d'un adjectif, tu dois trouver adjectif. Et ainsi de suite, d'accord? Adjectif, adjectif, adverbe, adverbe, préposition, préposition, et ainsi de suite. Vous avez ici un vélo, une bicyclette, ce sont des noms. Finir, terminer, ce sont des verbes. Des adjectifs, malin, rusé, ainsi de suite. Maintenant, on passe à la deuxième leçon, c'est la citoyenneté et le comportement civique, ou bien le lexique thématique, ou bien le champ lexical de citoyenneté et de comportement civique. Il existe un lexique thématique, ou bien champ lexical, qui exprime la citoyenneté telle que la solidarité, l'égalité dans les devoirs et les droits, la justice, le respect, la démocratie, être bon citoyen, l'honnêteté, respectueux, solidaire, honnête, être fier de son pays et inculquer, ça veut dire enseigner, et ainsi de suite.
Ça y est, je me suis arrêtée ici. En ce qui concerne la suite des leçons, je vais les terminer prochainement, d'accord? Le plus vite possible, bien sûr. Je vous conseille de bien réviser vos leçons afin que vous ne rencontreriez pas de problème au niveau de l'examen ou bien au niveau des contrôles. Merci, merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner pour savoir ou bien pour avoir de nouvelles vidéos, si Dieu le veut, bien sûr.